Ça va, oui, ça va mieux. Parfait. Merci beaucoup. Je laisse les dernières personnes s'installer. Bienvenue. Donc, je vous souhaite la bienvenue à HEC Paris, sur notre campus parisien, comme nous l'appelons, pour cette masterclass ce soir dans le cadre du lancement de notre certificat online ICCF at HEC Paris en partenariat avec First Finance Institute. Je suis Inge Kerklo-Devif, j'ai le plaisir, je suis l'exécutive directrice, je dirige le développement de l'activité HEC EXED dans le monde, voilà, pour faire court. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue ici ce soir pour cette masterclass. Alors, nous allons vivre, je l'espère très sincèrement, une expérience assez unique ce soir et je vais vous expliciter très rapidement un petit peu ce que j'entends par là. C'est que déjà, donc, nous retrouvons ici ce soir dans le cadre du lancement du certificat online ICCF at HEC Paris, comme je le disais, qui est pour nous, HEC, notre première déclinaison de la pédagogie MOOC en certificat online en formation continue, en executive education. Donc, c'est vraiment c'est une grande première pour nous. Donc, déjà, pour nous, c'est un événement très particulier auquel on vous fait participer. Donc, c'est tout nouveau pour nous aussi. Voilà. Et on est vraiment très content de pouvoir se lancer un peu dans ces nouvelles formes pédagogiques qui représentent encore une fois en executive education vraiment une innovation assez disruptive. Alors, deuxième chose pour laquelle j'espère et je pense que nous allons vivre une expérience assez unique ce soir, c'est que nous sommes donc une classe, donc des personnes qui sont assises ici en salle. Et vous avez des camarades, vous ne le savez pas, mais qui sont en classe virtuelle. Donc, c'est un événement qui est retransmis en live streaming sur YouTube ce soir. Et ce qui va m'amener d'ailleurs à vous expliquer un tout petit détail technique, c'est que comme on est retransmis sur Internet, pour les questions vous aurez l'occasion de poser tout à l'heure, on aura besoin de répéter votre question pour que les personnes qui sont online puissent suivre les questions. Petit détail technique, mais pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, c'est également un événement et une expérience un peu unique, peut-être pour certains, leur première expérience avec HEC d'ailleurs, possible, puisque vous ne le savez pas, mais nous on le sait, vous êtes en fait des gens très différents. Vous êtes assis les uns à côté des autres, mais en fait, vous êtes des participants déjà inscrits dans le certificat online, vous êtes des potentiels participants, vous êtes des personnes qui ont de la responsabilité de service de formation qui regardent cela pour leurs différents collaborateurs et vous êtes une communauté virtuelle en plus online. Donc on a mélangé toutes ces populations, mais je vais me permettre de citer notre dean Bernard Ramanantsou qui avait dit récemment au sujet de cette initiative qu'HEC avait vraiment comme ambition de s'appuyer sur le numérique pour transformer et faire évoluer la pédagogie et de générer de nouvelles communautés apprenantes. Et je pense que ce que nous allons vivre ce soir ici, c'est vraiment cela. Je ne vais pas être plus longue pour l'introduction. C'était juste un petit mot d'accueil pour vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Je vais vous présenter très rapidement le déroulé. Donc, on va être ici ce soir pour la masterclass et on va parler, et ça va être peut-être le dernier argument aussi pourquoi on va vivre une expérience unique, on va regarder de très près ce presque feuilleton qui s'est passé au moment du rachat du Club Med par Fosun avec le professeur Pascal Quéry que je vais introduire dans quelques secondes. Nous aurons la possibilité donc d'échanger avec le professeur, poser vos questions, n'hésitez pas. Ensuite, on vous présentera rapidement le programme, donc le Online Certificate, encore une fois en partenariat avec First Finance, pour derrière avoir des échanges qui pourront se prolonger avec un cocktail. Alors pour ceux qui sont sur place, en virtuel, on ne sait pas encore faire. Donc encore une fois, je ne veux pas être plus longue à ce stade. Je voudrais passer la parole à Pascal Quéry. Et du coup, Pascal, j'ai le plaisir de vous introduire. Alors, il m'a demandé de faire court. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de choses à dire. Alors, et après, je dirais en même temps, qui ne connaît pas encore Pascal Quéry? Alors, je vais quand même dire quelques mots. Donc, Pascal, vous êtes chez nous professeur affilié en finance. Vous êtes également le titulaire de notre chaire avec BNP Paribas. Et vous êtes un H84. Donc, vous êtes un alumni d'HEC.
Vous êtes également co-auteur du Verniman. Je pense que beaucoup de personnes vous connaissent aussi de cette activité-là. Vous étiez un managing director avant dans le département fusion-acquisition en BNP Paribas. Et aujourd'hui, vous avez créé un fonds d'investissement pour soutenir des PME et des startups en développement. Alors, vous avez eu des prix. Alors, je ne vais pas tous les citer. Vous appartenez à plusieurs associations. Mais peut-être le prix que j'ai très envie de citer, alors, indépendamment du fait qu'il est souvent, il a le prix du meilleur professeur, donc il est très aimé par les élèves, mais le prix de l'innovation de la Fondation HEC qui a été remis très récemment pour vos travaux, justement, sur les premiers MOOC lancés par HEC. Pascal Quiry, je vous laisse la place et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être là et merci à ceux qui sont derrière un écran d'ordinateur. Jean-Claude, ça va? Le son est bon? Bon, donc je peux mettre ça dans ma poche et on va regarder nos affaires tout de suite. Et je vais commencer par vous poser une question. Et vous, le bonheur, vous l'imaginez comment? Bon, bah pour les actionnaires du Club Méditerranée, le bonheur, d'un point de vue financier, mais ça sera sans surprise puisque c'est quand même de finances dont il s'agit ce soir, c'est ça. C'est un cours de bourse qui, dans la durée, ici je suis parti du 1er janvier 2000, qui était aux environs de 140 euros, qui est monté à 160 euros, et qui, avant, en mai 2013, avant le début de la bataille boursière pour le contrôle du Club Méditerranée, était précisément un petit peu en dessous de 14 euros. Et j'ai même essayé de remonter, je n'ai pas trouvé de graphe, mais en 1986, le cours était à 100 euros. Là, je voulais représenter, le cours est en bleu, en rouge, c'est le CAC 40. Donc vous voyez que par rapport au plus haut de 2000, on est toujours avec un CAC qui n'a pas rejoint son plus haut de 2000. À l'époque, il était de 6700 points, le CAC en ce moment est à 4500 points, si vous voulez. Et donc, ce n'est pas uniquement dû à la conjoncture économique et financière propre à la France que matérialiserait le CAC, il y a aussi des éléments propres au Club Méditerranée. Autre page publicitaire extrait, incomparable Club Méditerranée. Vous avez deux courbes ici sur longue période, hein, puisque ça fait plus de 10 ans, 12 ans exactement. Vous avez en bleu la rentabilité demandée par ceux qui financent le Club Méditerranée. C'est quelque chose qu'on traitera ensemble en détail dans la deuxième partie de ce MOOC consacré à l'évaluation d'entreprise. En anglais, Weighted Average Cost of Capital, du terme WACC, coût du capital. Et puis de l'autre côté, vous avez en rouge la rentabilité obtenue, qu'on verra ensemble en détail dans la première partie de ce MOOC. Return on Capital Employed en franglais, hein, ou rentabilité économique. Bon, vous voyez que sur la période, même s'il y a une amélioration très nette, jamais sur les 15 dernières années, les différentes équipes du Club Méditerranée, les différentes stratégies mises en œuvre n'ont réussi à dégager une rentabilité qui corresponde à celle que demandent les investisseurs, à la fois actionnaires et prêteurs du Club Med. Rêver. Là, vous avez encore deux courbes. Vous avez la courbe rouge, qui est les capitaux propres comptables. Au bilan du Club Méditerranée, on fera une analyse financière, ce qu'on fera dans la première partie du MOOC. On commentera le niveau des capitaux propres. Et vous voyez ici deux choses. La première, c'est que le niveau des capitaux propres en 13 ans, 12 ans, est resté le même, à peu près le même, bien qu'il y ait eu une augmentation de capital de 103 millions d'euros en 2009. Autrement dit, en fait, c'est une société qui n'a quasiment jamais dégagé de résultats nets positifs, ou les peu qu'elle a pu dégager ont été mangés par les pertes d'autres années. Et la deuxième, qui est plus financière, on verra ensemble en détail dans la quatrième semaine de la deuxième partie de ce programme, c'est la réconciliation entre d'un côté les capitaux propres en valeur et les capitaux propres en montant comptable. En montant comptable, c'est ce que les actionnaires ont apporté à l'entreprise ou laissé à la disposition de l'entreprise. Et en valeur, c'est la capitalisation boursière, puisqu'on a une affaire cotée en bourse qui est facile à observer, c'est combien ça vaut. Et vous voyez que pendant un temps, on a pu rêver,
Et donc, ma photo d'avant n'était pas inutile, puisque vous voyez, jusqu'en 2007, on avait une valeur des capitaux propres qui était le double des capitaux propres comptables. Alors même que la rentabilité était très insuffisante, c'est la slide d'avant, par rapport à ce que demandaient les investisseurs au sens général. Mais, crack de 2008-2009, au jour d'aujourd'hui, enfin au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire les années, début des années 2000, vous voyez, il y a une coïncidence entre les deux. Et donc le rêve, d'un point de vue financier, n'est pas au rendez-vous. Ce qui explique ce qui est arrivé ensuite au groupe. Quelques éléments de chronologie que je commenterai ponctuellement. Donc, en mai 2013, le cours, enfin juste la veille de la première offre, il est à 13,85. Fosun, qui est un espèce de Warren Buffett chinois, enfin, c'est une société cotée, qui a des activités opérationnelles qu'elle contrôle ou prend des participations d'ordre financier dans d'autres entreprises, était rentré au capital en 2010, avec d'ailleurs aussi à ce moment-là AXA Private Equity, qui a ensuite été cédé par le groupe AXA et qui s'appelle maintenant Ardian. Et ils font une offre, ils proposent à l'ensemble des actionnaires de racheter les actions sur la base de 13 € l'action, ce qui fait apparaître une prime, vous voyez, de 23%, qui est un peu dans la moyenne basse des primes qu'on observe habituellement dans les opérations de changement de contrôle sur la place de Paris, où on est plutôt dans l'entour entre 20 et 30, mais plutôt vers 30 que vers 20. Le conseil, comme toujours, doit se prononcer, et là, c'est toujours compliqué, parce que vous avez un management qui fait partie de l'offre. Ce n'est pas que des tiers. Il y a aussi le management emmené par Henri Giscard d'Estaing qui fait partie financièrement, qui devient actionnaire, qui deviendra actionnaire du consortium des deux investisseurs Fosun et Ardian. Alors certes, ils n'auront pas la majorité, bien évidemment. Mais, et donc, le conseil doit se prononcer, sachant dans le conseil, il y a des membres de la direction. Enfin, il y a le président du conseil d'administration qui est par ailleurs, étant PDG, le premier opérationnel. Et donc, c'est toujours une situation de conflit d'intérêts potentiel, puisque au même moment, le management doit dire bah, « Moi, j'y crois, j'investis dans cette affaire à 17 €. » Et au même moment, il doit dire bah, « Vous, actionnaires, venez, venez, l'offre à 17 € est généreuse. Bon. » Et donc ça, c'est un cas de figure qui est couvert par le règlement de l'AMF, qui fait que dans ce cas-là, on demande à un expert indépendant d'éclairer les administrateurs indépendants de la société au moment où le conseil donne son avis. Et donc, vous avez un expert indépendant qui est nommé, la société Accuracy, pour se prononcer sur ce prix, qui fait son rapport, et en conseil d'administration, ça coince. Ça coince tellement que le prix est remonté une première fois de 17 à 17,5 pour avoir l'unanimité du conseil d'administration, recommandant aux actionnaires d'apporter leur titre à l'offre. Et puis, vous avez un investisseur, et puis l'ADAN, l'Association de défense des actionnaires minoritaires, emmenée par Madame Neuville, qui fait un recours en justice. Qu'est-ce que c'est qu'un recours en justice d'un point de vue financier? C'est une façon astucieuse de gagner du temps. Du temps pour organiser une défense, ou pour organiser la venue d'autres investisseurs, pour gagner du temps, parce qu'on pense que les résultats sont peut-être meilleurs, les résultats étant meilleurs, ça fera relever le prix. Gagner du temps, pourquoi? Parce qu'il fut un temps où un recours devant la Cour d'appel de Paris pour ce type d'opération, la Cour statuait en 3 mois, 4 mois au maximum. Malheureusement, avec l'encombrement des chambres de justice en France, on va voir dans un instant qu'il a fallu 9 à 10 mois pour la Cour de statuer. Et pendant ce temps-là, l'offre est suspendue. L'offre est suspendue, il ne se passe rien, on attend que la Cour... Bon. Et pour pouvoir faire un recours, il faut un prétexte. Parfois, les prétextes, je dirais, sont justifiés. Parfois, on se moque du monde. Je me rappelle un exemple qui m'a beaucoup frappé. À l'époque, j'étais le conseil de Total avec d'autres dans son offre sur Elf. Et Elf avait fait un recours en disant « Ah, mais Total a prévu d'amortir le goodwill de cette opération sur 40 ans, parce qu'à l'époque, les règles comptables étaient différentes d'aujourd'hui. Or, la société vient à expiration dans 20 ans, donc ce n'est pas possible. » Donc c'était quand même se moquer du monde, parce qu'on sait tous qu'une société anonyme de 99 ans, quelques années avant la date fatidique, bon, on la proroge en assemblée générale, c'est une formalité, bon, ça avait servi. Bon. Là, l'ADAN et l'investisseur ont trouvé comme prétexte le fait que Accuracy faisait 0,8% de son chiffre d'affaires avec AXA Private Equity, hein, qui est l'un des principaux, si ce n'est le principal investisseur en private equity sur la place de Paris. Et Accuracy étant l'un des principaux cabinets de services financiers, il est normal, étant actif, qu'il... Bon, mais 0,8% du chiffre d'affaires, ça ne compromet pas l'indépendance. C'est in fine ce que va décider la Cour, mais en attendant,
Il y a du temps qui a été gagné de cette façon-là. Donc un argument juridique qui est utilisé souvent comme une mesure, enfin comme pour gagner du temps. Ça a permis à quelqu'un qui n'était pas au capital, Andrea Bonomi, de prendre une participation dans sur le marché en achetant des titres, tout simplement, et puis de monter progressivement dans le capital du club méditerranéen. Et les recours sont rejetés, vous voyez, en avril 2014, donc 9 mois après, ou peut-être même 10, bref, l'ordre de grandeur. L'offre initiale va pouvoir clôturer, c'est-à-dire à ce moment-là, l'AMF dit, ben voilà, l'offre prend et je fixe une date normale pour la clôture de l'offre. Sauf que Andrea Bonomi ayant racheté sur le marché, continuant à racheter sur le marché, n'exprimant pas clairement ses intentions, l'AMF utilise une disposition inspirée du droit anglais qu'on appelle put up or shut up, c'est-à-dire soit vous vous déclarez pour faire une offre, soit vous vous déclarez pour ne pas en faire. Mais si vous vous déclarez pour ne pas en faire, pendant 6 mois, vous ne pouvez plus en faire. Et donc elle le force en lui donnant un délai, le 30 juin, en l'occurrence, de préciser ses intentions. Et le 30 juin, le dernier jour, il annonce une offre avec un prix, vous voyez, de 20% en hausse par rapport à l'offre précédente. Alors 20%, ça peut paraître beaucoup, mais il s'est quand même passé plus d'un an, puisqu'on avait commencé en mai 2013 et qu'on est en juin 2014. Et dans l'intervalle, les conditions économiques et la vie économique générale a continué. Et donc, la bourse a monté, les taux d'intérêt ont baissé, les primes de risque ont baissé. Un certain nombre de facteurs qu'on verrait dans la deuxième partie de cette formation qui expliquent une partie de l'augmentation de la valeur de l'action du club méditerranéen. Bon, et puis après c'est une bataille. Voilà, il y a deux personnes qui veulent acheter. In fine, il ne pourrait y en avoir qu'un seul, selon toute vraisemblance. Et puis, c'est la loi boursière. Voilà, on n'est pas dans une salle d'enchères, mais ça s'en rapproche dans le principe. Et chacun, encadré par le règlement de l'AMF, relève son offre. Une première fois, vous voyez, fausse une à 22, puis 23, puis 23,5, puis 24, puis 24,6, plus 78% par rapport au cours du 24 mai 2013. Et puis là, il y en a un des deux qui va craquer. C'est Andrea Bonomi qui annonce, je renonce, j'arrête. Et donc, je peux prédire, sans prendre trop de risques, que le mois prochain, Fosun va effectivement prendre le contrôle légalement du club méditerranéen. Quatre idées ou quatre éléments qui me paraissent importants. Cet exemple est un exemple extrêmement atypique, si je puis dire, où il est rare d'avoir une telle déconnexion entre, d'un côté, la notoriété mondiale de l'entreprise. Quand on demande aux gens en notoriété spontanée, 90% des gens en France connaissent le Club Med, 80% aux États-Unis connaissent le Club Med, et encore mieux, 66% des gens dans les grandes métropoles chinoises vous citent spontanément le Club Méditerranée quand vous parlez de lieu de vacances. Donc une image extraordinaire, construite depuis 60 ans, et une réalité financière très décevante. Une réalité financière très décevante, mais j'ai fouillé dans mes souvenirs, cette société a toujours attiré des investisseurs de renom, fascinés, s'encanaillant quelque part, par l'image du Club Med. Et je me rappelle quand je suis rentré à Paris-Bas, qui était mon premier job, en 86, on me disait, Pascal, il y a un membre de la direction générale qui est administrateur du Club Méditerranée, comme depuis très longtemps, et c'est le Conseil de Paris, on s'amuse le plus. Et à ce conseil, vous avez eu des gens très prestigieux, Edmond Rothschild, de mon Paribas, les Agnelli de Fiat, au cours du temps, Accor, la Caisse des dépôts, Rolaco du Maroc, d'Arabie Saoudite, Benetton, bon, Bernard Tapie n'est pas rentré au conseil. Voilà. Donc, quelque chose qui est atypique, si vous voulez. Une image fabuleuse et une réalité financière. Vous avez vu mes graphiques, c'était un peu provocant. Je voulais éviter que vous vous endormiez au début de cette présentation. Bon. N'empêche que vous avez deux groupes, dont l'un très financier de son esprit, Andrea Bonomi, qui se sont battus et qui ont fait monter le prix, jusqu'à, franchement, ils ont payé top dollar. Enfin, vouloir prétendre aujourd'hui que ça devrait valoir 26 et qu'il faudrait payer 26. Ouais.
Deuxième idée, il ne faut pas se leurrer. Même si on est très mythique, on ne peut pas durablement décevoir ses investisseurs sur le long terme. Avoir une rentabilité qui est systématiquement pendant 15 ans inférieure à ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire le taux de rentabilité exigé par ceux qui vous financent, ça ne peut pas marcher. Vous et moi, on aurait des problèmes si tous les mois, on savait plus ce qu'on recevait en salaire. Pour une entreprise, c'est la même chose. Exprimé cette fois-ci en termes de rentabilité. Vous avez une autre entreprise mythique en France qui a connu une évolution radicalement différente, qui s'est sentie longtemps potentiellement menacée d'un changement de contrôle parce qu'elle avait un actionnaire à 30% qui était beaucoup plus gros qu'elle et qui était capable de l'acheter s'il le voulait. Et l'actualité récente a démontré que ce n'était plus son intention. C'est L'Oréal et Nestlé. Mais l'immense différence entre L'Oréal et Nestlé, c'est que le cours de bourse de L'Oréal, alors je ne sais pas ceux qui me voient sur Internet, il a fait que ça, que ça, que ça. Et la rentabilité a toujours été supérieure à ce que demandaient les investisseurs. Et en fait, ça a été la meilleure protection pour les dirigeants de L'Oréal qu'ils savaient parfaitement, c'était qu'ils démontraient très régulièrement que personne ne pouvait gérer L'Oréal mieux qu'il ne gérait cette société. Et ça, c'est vraiment la meilleure protection qu'on pouvait avoir contre une offre, sollicitée ou non, d'un tiers. Troisième idée, la bourse, ça sert à un certain nombre de choses et c'est là aussi où le contrôle peut s'échanger. Et on peut difficilement imaginer une meilleure protection pour l'investisseur minoritaire que la bourse. Et l'investisseur minoritaire qui a gardé ses actions, qui a été patient, parce que bon, il suffisait de lire la presse sans avoir besoin d'avoir suivi ce programme pour le comprendre, les gens avaient compris que l'histoire ne s'arrêterait pas, que ça allait continuer. Voilà. Quand il y a un recours, on sait que ça va durer 9 mois, donc en 9 mois, il peut se passer des choses. Quand il y a justement un deuxième prétendant qui se déclare, on sent qu'à un moment donné, le terrain va se déplacer totalement financier. Combien paiera l'un, combien paiera l'autre. Et donc, vous avez ici, je dirais que la petite épargne populaire n'a pas été spoliée, clairement. Quatrième élément, je l'ai mentionné, les recours en justice font partie de la panoplie de la défense. Ça donne un bon avenir aux avocats, j'en connais quelques-uns parmi vous. Bon, c'est comme ça. Les parlementaires s'en sont un petit peu inquiétés. Et le Sénat a un projet de loi qui limiterait dans ces cas-là le délai de réponse de la Cour d'appel de Paris à 4 mois. Ce qui était le délai qu'on a connu il y a encore 6-7 ans, si vous voulez. Il est vrai aussi que des OPA sur la Bourse de Paris avec des recours, il n'y en a quand même pas tous les jours non plus. Il y en a peut-être un ou deux par an, comme ça. Souvent pour des affaires plus petites et moins connues. Donc, est-ce qu'une loi peut changer la vitesse de réaction de la Cour d'appel de Paris? On verra. D'abord, cette loi, pour l'instant, c'est qu'un projet de loi au Sénat. Il faut qu'il passe à l'Assemblée nationale et qu'il soit. Puis ensuite, il faut que la Cour d'appel s'organise pour qu'elle puisse y faire face. Alors, certes, c'est peu de dossiers par an, mais d'autre côté, vu les contraintes budgétaires, ça risque de faire souffrir d'autres dossiers à côté. Le Club Med, tous les bonheurs du monde. Ça sera ma dernière image, parce que effectivement, si je complète maintenant mon graphe initial sur le cours de bourse. Bon, là, je l'ai fait commencer au 1er janvier, mais on voit très bien sur ce. Vous voyez ici, c'est juste avant le lancement. Là, c'est le 13,85 qu'on voyait tout à l'heure. Bon, puis après, le cours évolue en fonction des offres qui ont été faites et des anticipations. Et d'ailleurs, le marché a été plutôt efficace sur ce point-là, parce que systématiquement, quand ils ont fait leur surenchère respective, le cours montait, mais s'inscrivait toujours au-dessus du prix de la surenchère. Et même à la fin. Lors de la dernière offre de Fosun à 24,60, le cours était au-delà de 25, espérant qu'Andrea Bonomi continuerait à rajouter les 2% minimum qu'il faut pour pouvoir surenchérir. Et puis, ben non, il ne l'a pas fait, donc le cours est retombé. Vous voyez, à la fin, tout à la fin, il y a peut-être des gens qui ont acheté à 25. Ben, ils vendront à 24,60. Voilà. Mais ceux qui l'avaient à 13, il y en a peut-être dans la salle, à moins qu'ils l'aient acheté il y a très très longtemps, n'ont pas fait une mauvaise affaire.
Voilà ce que je voulais vous dire dans le quart d'heure qui m'était imparti sur ce sujet-là. Et donc maintenant, je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez avoir ou qu'on pourrait me communiquer d'Internet. Quel est le premier qui veut se lancer ? Monsieur ? Je voulais rien. Alors la question de monsieur, je la répète pour que sur Internet, on... je voulais rien démontrer. Je voulais tirer des leçons d'une affaire médiatique. D'où mes quatre idées pour faire passer quelques messages forts. Les procédures juridiques, ben, c'est un moyen de défense. Vous ne pouvez pas durablement, systématiquement sous-performer. Je ne suis pas dans le court terme. Je n'ai pas été regardé sur les 3 dernières années. Je n'ai pas été regardé sur les 5 dernières années. J'ai été regardé sur les 13 dernières années. Je pense qu'en 13 ans... Voilà. Donc quand vous sous-performez si longtemps, faut pas être naïf. À un moment donné, il y a une sanction qui va arriver, si tant est qu'on interprète un changement de contrôle comme une sanction. Voilà ce que je voulais démontrer. Monsieur ? Quand vous payez une prime de contrôle de 73%, faut que vous ayez des idées opérationnelles très claires et très arrêtées. Alors certes, de façon évidente, avec un taux de notoriété spontanée de 66% dans les grandes métropoles chinoises, il y a un potentiel probablement considérable de ce côté-là qu'ils ont commencé à développer, hein, puisqu'ils n'ont pas attendu Fosun pour aller en Chine. Et clairement, la stratégie de Fosun est de dire... On va foncer dans cette zone, hein, c'est clair. Mais il va falloir foncer vite et bien pour rentabiliser d'un point de vue strictement financier, puisque c'est votre question, monsieur, un investissement que vous faites avec une prime de contrôle où vous payez 77 ou 78, j'ai oublié le chiffre exact, il était là, l'ordre de grandeur, de plus qu'un cours stable. Ça veut peut-être dire que... Enfin, à titre personnel, je préfère ne pas être à la place d'Henri Giscard d'Estaing, si vous voulez. Parce que là, si Fosun a un comportement très financier, il va falloir faire suer le Bournou. Mais il y a un vrai challenge. C'est-à-dire, quelle que soit la stratégie qui a été menée, soit par Henri Giscard d'Estaing de monter en gamme du club, soit par son prédécesseur qui avait une stratégie très différente. Rappelez-vous les clubs Med Gym qui étaient dans Paris, le club Med 2, le bateau, puis le, ça, qui voulait au contraire exploiter la marque sur un tas d'activités plus ou moins. Les deux stratégies, d'un point de vue financier, en leur laissant le temps, n'ont pas démontré que d'un point de vue financier, elles étaient pertinentes. Et que macroéconomiquement, investir de l'argent dans un endroit où ça ne rapporte pas ce que ça devrait rapporter compte tenu de son risque pendant un certain nombre d'années, c'est autant d'argent qui n'est pas investi dans d'autres domaines où il aurait eu une meilleure efficacité. C'est tout. Est-ce que la stratégie de monter en gamme n'était pas le moyen le plus aisé d'augmenter le ROS et d'atteindre la performance demandée par les investisseurs ? Je ne sais pas. Je ne suis qu'un professeur de finance. Je ne suis pas un professeur de marketing, de stratégie. Simplement, j'observe que cette stratégie elle a été mise en œuvre. Alors peut-être mal, je ne sais pas. Mais elle a été mise en œuvre depuis 2002. On est en 2013. On a laissé du temps au temps quand même, hein. Et qu'on en est, c'est mieux qu'en 2002, mais qu'on en est encore loin. On fait les trois quarts de ce qui est demandé. Y aurait-il d'autres stratégies ? Je vous répondrai dans 10 ans, lorsque vous reviendrez suivre ce programme, parce qu'on a besoin régulièrement de se remettre à jour en finance, en particulier, où on pourra regarder ce qu'a fait Fosun du Club Med. Parce qu'ils vont le réintroduire en bourse. Ils ont prévu de le réintroduire dans quelques temps sur la bourse de Shanghai. Parce que pour eux, c'est une façon de démultiplier leurs moyens financiers, de refinancer une partie de la dépense qu'ils font aujourd'hui. Donc on aura accès au compte dans quelques temps.
Monsieur ? J'aimerais que vous précisiez ce qui vous permet de dire que la bourse est le meilleur moyen de protection pour les investisseurs minoritaires. Ben parce que en bourse, quand vous voulez prendre le contrôle d'une entreprise, vous devez faire une offre sur 100% du capital. Dans une entreprise non cotée, s'il n'y a pas de pacte d'actionnaires qui vous protège en tant que minoritaire, on peut très bien acheter le contrôle d'une entreprise non cotée sans faire aucune offre aux autres actionnaires. Donc c'est dans ce sens que je dis que la bourse est la meilleure protection, une meilleure protection que celle que peut apporter un pacte d'actionnaires. Parce que dans un pacte d'actionnaires, il peut toujours y avoir des clauses mal rédigées, enfin, ou des avocats particulièrement brillants peuvent vous trouver des... Bon. Cela dit, on peut faire quand même... Mais s'il n'y a pas ce type de clause faisant que vous sortez aux mêmes conditions que le majoritaire qui cède, il y a plein d'exemples de sociétés dans lesquelles les minoritaires restent là à côté et voient les trains passer. En bourse, dans notre pays, dans l'Union européenne, ce n'est pas possible. Je ne dirais pas la même chose en Suisse. En Suisse, vous avez une autre affaire boursière qui défraie l'actualité en ce moment, qui est Saint-Gobain qui a acheté des actions d'une société qui s'appelle Sika. C'est des actions qui offrent plusieurs droits de vote, contrairement aux autres. Et ils n'ont absolument pas l'intention jusqu'à présent de faire une offre de désintéressement aux actionnaires minoritaires en droit de vote, mais majoritaires en nombre d'actions. Mais la Suisse, c'est la Suisse. Hein, et ce n'est pas dans l'Union européenne. Mais en Union européenne, il y a une directive qui fait que, quel que soit le pays, vous êtes protégé de cette façon-là en tant que minoritaire. Madame. Un commentaire peut-être de votre part sur les avis d'équité que vous nous avez montrés et sur peut-être la différence, comme sur tout marché, entre ce qui peut être les valeurs rationnelles d'échange, car je ne doute pas que des tas d'experts, voire des professeurs en finance aient donné leur point de vue, et puis la valeur que peut mettre quelqu'un s'il a une attitude un peu irrationnelle ou des projets que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle, pour valoriser son prix. Oui. Alors, les experts ont un travail difficile à faire. Ils ont un travail difficile à faire parce que ceux qui les mandatent et qui les payent ont un intérêt en tête. Et ils souhaitent que l'expert aille dans cette direction-là. Et vous, qui est mandaté et payé le sachant, il faut avoir une force de caractère très forte pour pouvoir y résister et de pouvoir dire non le cas échéant. Ce n'est pas du tout le cas du Club Méditerranée. Ils ont eu l'intelligence de prendre, à mon avis, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur expert de la place de Paris, qui est Bruno Husson chez Accuracy, qui est quelqu'un qui a la capacité de dire non quand il pense que ce n'est pas bien et qui l'a démontré dans le passé, qui est techniquement tout à fait... brillant, enfin c'est là. Donc c'est pas le cas ici. Mais le rôle d'un expert indépendant est un rôle toujours compliqué. Ici, quand on fait le rapprochement de 17, il a dit qu'à 17 c'était équitable et puis ça s'est vendu à 24,60. Moi je lui jette pas du tout la pierre. Je vous ai expliqué qu'il s'était passé entre les deux dates plus d'un an et demi. Et le CAC 40, il n'est pas aujourd'hui au niveau où il était il y a un an et demi. Et les conditions économiques financières ont changé. Donc ne comparons que ce qui peut être comparable. D'un autre côté, ils ont un rôle indispensable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été depuis 2006 introduit dans le règlement de l'AMF en France, parce qu'il y a quand même un conflit d'intérêts majeur que je vous ai montré du doigt, du président du conseil d'administration qui participe à l'offre de rachat financièrement. Qui sait qu'il va garder son poste avec Fosun, qui sait qu'il le perdra avec Andrea Bonomi, qui investit une partie de son patrimoine dedans, et qui doit dire aux actionnaires, est-ce que cette offre est bonne pour vous ou pas? Et donc une façon pour lui et pour les autres administrateurs qui ne seraient pas versés en finance de se dédouaner, c'est de demander à un tiers de donner son avis. Donc il démontre qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour éclairer le marché. Et cet avis est publié in extenso dans la note qui est mise sur le site de l'AMF et le site de la société. Voilà sur les experts. Il me semble qu'il y avait une deuxième partie dans votre question. Ah oui, oui. Ouais.
Oui, oui. Vous voyez, je vais vous citer une phrase que m'a dit un jour quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Guy Verrecchia. Guy Verrecchia est quelqu'un qui est peu connu du public. C'est quelqu'un qui, à 14 ans, a quitté l'école. Son père était propriétaire d'une salle de cinéma dans l'Est parisien. Et au cours du temps, il a créé le groupe UGC, qui est le groupe leader en France, mais aussi en Belgique, dans les salles de cinéma. Et Guy Verrecchia m'a dit, Pascal, je vous aime bien. Mais vous savez, Pascal, le meilleur expert sur l'évaluation, c'est celui qui fait le chèque. Et il y a quelque chose de vrai dans cette phrase. Vous empêcherez jamais quelqu'un qui est fausse une et contrôlé par une personne physique. Vous empêcherez jamais quelqu'un de succomber à l'hubris, surtout quand il est tout seul à prendre la décision. Et donc après, bon, moi je suis modeste, hein, est-ce que ça vaut 22, est-ce que ça vaut 20, est-ce que ça vaut 17, on verra ensemble des techniques qui nous permettent de mieux préciser cela, de mieux cerner, mais in fine, bah, y a la liberté de quelqu'un de faire un chèque ou de ne pas faire un chèque. Y a quelqu'un qui a des synergies, il y en a un autre qui n'en a pas. Et ça a un impact naturellement sur le prix qui peut être payé. Et on vit parfois des moments comme ça, privilégiés, où on a une valeur qui... Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, parce que c'est comme ça que j'ai payé ma première voiture. J'avais acheté 7 actions, à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, 7 actions d'une société qui s'appelait Dufour et Higon, côté à Paris, qui faisait un petit air liquide, mais un tout petit air liquide. 7 actions, l'action valait 850 francs. Et bien, il y a eu une bataille boursière qui a été plus longue que celle-ci, avec 3 gars qui ont surenchéri. In fine, c'est le Suédois Aga qui a acheté à 4400 francs. Vous voyez ? Bon, ça explique pourquoi j'ai pu me payer une voiture. Une petite voiture, mais quand même une voiture. Bon, pareil. Et là, le Club Med, c'était quand même pas une affaire qui était manifestement sous-évaluée. C'était une société qui valait en bourse environ 400 millions, avec un flottant assez large parce qu'il n'y avait pas de gros actionnaires, suivi par les analystes. Donc c'était difficile. Bon. Donc on n'empêchera jamais qu'au-delà des modèles, des formules mathématiques, qui à un moment donné de l'hubris, de l'envie, ou quelque chose qui a été vu par quelqu'un qui n'a pas été vu par les autres. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Pascal, oui. Est-ce que je peux me permettre d'intercaler une question qui nous vient en ligne, qui nous vient d'Internet, et qui est la suivante. Donc, dans quel délai pensez-vous que la gouvernance du Club Med peut changer, puisqu'il semble que Fosun veuille aller dans cette voie ? Ah bah, dès qu'ils ont réuni, dès qu'ils ont pris le contrôle, c'est-à-dire que c'est une affaire de quelques semaines maintenant, mi-février, ils auront 100% des actions, quasiment 100%. Ils feront un processus de délisting automatique dans la foulée de la Bourse de Paris, parce qu'ils auront certainement plus de 95%, qui est le minimum requis. Et donc, ensuite, ils convoquent une assemblée générale, et puis ils changent le conseil d'administration s'ils ont envie de le changer, ou ils gardent ceux qu'ils vont garder. Donc c'est une affaire de quelques semaines maintenant. La gouvernance sera changée dans quelques semaines et ça sera une affaire non cotée qu'ils géreront comme ils l'entendront jusqu'au jour où ils la réintroduiront en bourse comme ils ont indiqué avoir l'intention de le faire. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Moi j'ai une autre question. Si, allez-y. Encore très bien. En ligne, qui est une excellente introduction à notre deuxième cours en fait. Puisque la question est, savez-vous quelles méthodes d'évaluation ont été utilisées au cours de cette longue histoire? Oui. Donc il y a des passages obligés. Quand vous êtes un expert indépendant, vous devez vous prononcer dans un contexte compliqué, vous pouvez dire je prends cette méthode-là et tout le reste je l'ignore. Donc les deux principales méthodes ont été mises en œuvre, les deux principales étant de se dire... je regarde des sociétés comparables et puis je regarde à quel prix elles sont valorisées et j'en déduis de la même façon que lorsque je vais acheter un appartement boulevard de Clichy, je regarde le prix du mètre carré dans transaction récente et puis je l'applique à mon appartement de 95 mètres carrés que je vais acheter. Voilà, donc une méthode comparable. Et puis le problème du Club Med, c'est que de vous à moi, c'est quand même une société qui est incomparable. C'est très difficile de trouver des sociétés. On trouvera des sociétés hôtelières, mais le Club Med n'est pas un hôtel. On trouvera des agences de voyage, mais le Club Med n'est pas une agence de voyage. On trouvera... ils ont créé leur propre marché, et même encore aujourd'hui. Bon. Donc cette méthode-là, elle est faite parce que c'est un passage obligé. On ne peut pas se permettre de ne pas la faire, mais elle n'amène pas à grand-chose, parce qu'il y a tout de suite des restrictions disant « on l'a fait, mais
Mais voilà, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, ou le plus beau garçon du monde ne peut donner que ce qu'il a. Et bon. Deuxièmement, c'est les méthodes qui reposent sur l'actualisation des flux de trésorerie disponibles, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à générer des flux de trésorerie, de la même façon que si je veux, par comparaison avec mon appartement de 85 mètres carrés de l'avenue de Clichy, quand j'en deviens propriétaire, j'ai plus de loyer à payer, et donc sa valeur d'un point de vue financier peut être appréciée simplement par l'actualisation des loyers que je ne paie plus étant devenu propriétaire. Je fais l'économie des loyers, et donc sa valeur tient compte de ses loyers. Bon. Et donc, on fait une actualisation de flux de trésorerie disponible qui était d'autant plus pertinente ici que chacun avait un projet industriel. Et donc chacun par derrière avait un plan d'affaires en disant ben voilà, moi je pense faire ceci, développer tant le chiffre d'affaires, tant les marges, les investissements, le besoin en fonds de roulement, etc. Bon. Et donc ces deux méthodes dans les notes ont été publiées. Et si ça intéresse certains d'entre vous, c'est dans le domaine public. Hein, donc vous allez sur le site de l'AMF et vous allez voir, il y a plein de documents. Et c'est assez, les rapports d'experts font une quarantaine de pages, c'est assez copieux, c'est assez intéressant. Si le Club Med vous intéresse, il y a plein de choses dessus. Bien, alors s'il n'y a plus de questions pour maintenant, on va arrêter. Mais s'il y a des questions qui vous venaient, il y a un forum qui existe. Moi, j'adore répondre à des questions. Sur le site Vernimen, on a répondu depuis la création du site à plus de 10 000 questions. Donc n'hésitez pas. Mon adresse email est kiri@hec.fr. Kiri, Q-U-I-R-Y, et hec.fr, ça va sans dire. N'hésitez pas et je vous répondrai sur ce sujet. Et maintenant, je laisse la parole à mes amis. Merci, merci beaucoup Pascal. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci Pascal. Oui, ce qu'on se disait effectivement, c'était qu'une manière de prolonger la discussion et le débat, c'est d'utiliser le forum de la plateforme pédagogique dont on va vous dans un instant. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser. En tout cas pour ceux d'entre vous, comme l'a dit Inge, qui sont inscrits au programme. Alors voilà donc une nouvelle tête. Donc moi je me présente, je suis Karine Lejoly, je suis directeur de l'innovation à HEC Executive Education. Et donc je suis ravie de vous accueillir ce soir dans nos locaux. Quand on commence un nouveau programme, c'est toujours un moment émouvant, un moment excitant. Donc on est vraiment très heureux de vous avoir ici, le fait que vous ayez bravé les intempéries pour venir jusqu'à la porte Champéret. Dans cette deuxième partie, en fait, ce qu'on voulait faire avec mes collègues de First Finance, Éric Chardoyer et Fabrice Demichel, avec qui on a travaillé depuis plusieurs mois à l'élaboration de ce programme, c'était vous le présenter dans ses grandes lignes, revenir un petit peu sur nos objectifs, sur la philosophie qu'on a derrière la tête, et puis d'être un petit peu plus concret, puisque on a commencé là. Ça a commencé. La plateforme est ouverte. Dès vendredi, les premiers matériaux pédagogiques. Donc c'était aussi un bon moment pour vous présenter un petit peu plus concrètement ce qui va vous attendre pendant les quelques mois prochains. Donc voilà la deuxième partie de notre soirée masterclass ce soir. Et en premier lieu, donc vous vous en êtes rendu compte, certains d'entre vous ont eu affaire, des gens d'HEC, des gens de First Finance, on est tous là. Et donc je voudrais souligner le fait en premier lieu que c'est le fruit d'une collaboration. C'est le fruit d'une collaboration donc de longue haleine entre donc HEC Paris, HEC Executive Education et First Finance Institute. Alors HEC, notre métier, notre vocation, notre ADN, c'est de former, d'accompagner les dirigeants tout au long de leur vie, à travers différents programmes, le programme de la grande école, le MBA et l'Executive Education. Et en particulier, donc l'Executive Education, c'est le pôle de formation continue d'HEC. Et depuis 50 ans, donc, notre métier est d'accompagner les cadres dirigeants dans leurs projets
d'évolution de carrière, dans l'évolution de leurs compétences. C'est d'accompagner les entreprises dans leurs projets de changement. Et donc ça, on le fait à travers un certain nombre de une gamme de programmes qui vont de programmes diplômants à des programmes courts et des programmes au format digital comme l'ICCF HEC Paris. Présent globalement, notamment en Chine et au Qatar où nous avons des campus. Et puis, une certaine reconnaissance, puisque ça fait maintenant 4 ans, pour la troisième année consécutive, à chaque fois je me prends les pieds dans le tapis, mais trois fois en tout cas, dans les 4 années précédentes, nous avons eu le bonheur d'être rankés par le Financial Times comme premier mondial dans la formation exécutive. Et puis First Finance Institute, c'est aussi un acteur reconnu, leader dans la formation continue en finance. Nous avons le point commun d'être à l'international, d'être pas seulement ici à Paris, mais d'avoir nos antennes à l'international et des chiffres impressionnants en fait de formation, de cadres à la finance, formé en présentiel et formé à distance sous le format MOOC, puisque First Finance, en même temps qu'HEC, avec des voix différentes qui sont venues converger, ont été des précurseurs dans le domaine des MOOC. Le fruit donc d'une collaboration, et qu'est-ce qui nous rassemble? Ce qui nous rassemble, d'abord, c'est une histoire un peu commune. Des anciens HEC, un professeur en commun, et puis surtout une volonté commune d'offrir les meilleures formations, tant en termes de contenu, de pertinence de contenu et de format pédagogique. Et on se retrouve dans cette vocation d'innovation et qui nous rassemble un petit peu, qui nous rassemble ce soir. On le retrouve dans la philosophie du programme donc qu'on vous propose. D'abord, ce qu'on a voulu construire, c'est un programme, c'est un curriculum complet en finance d'entreprise. Vous allez démarrer avec les outils du diagnostic financier, les outils de l'analyse financière et le diagnostic financier, pour aller jusqu'à la décision, à la maîtrise des décisions financières. Ça, c'est un premier élément important. Nous avons voulu aussi faire un programme pragmatique. Au-delà d'être un programme rigoureux, ancré conceptuellement, alors en finance, c'est un peu difficile de s'éloigner des standards. Mais on souhaite construire un programme ancré dans les décisions quotidiennes, les situations auxquelles vous avez à faire face quotidiennement dans vos activités professionnelles. C'est un programme adapté à votre agenda professionnel, au sens que nous allons tirer pleinement bénéfice de ce format digital qui vous permet de suivre la formation, cette formation d'où vous soyez, à votre rythme. Alors, pas tout à fait quand même. Il y a un début, il y a une fin, il y a des échéances. Mais entre-temps, c'est quand même la liberté d'organiser votre temps et faire votre affaire de ce que vous avez envie de faire avec ce programme. Il conduit à une certification double, un certificat HEC et un certificat qui correspond à l'examen ICCF, donc une certification professionnelle qui nous vient de First Finance. C'est un élément important, je pense. On a des questions parfois, à savoir si est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller à la certification? Oui, c'est important. Parce que ce que nous avons voulu faire, c'est un programme complet. La certification, toutes les évaluations intermédiaires qui vont avoir lieu, c'est pas pour le plaisir d'évaluer, ce sont des éléments importants qui construisent le processus d'apprentissage. Alors, bienvenue à nouveau sur les bancs de l'école. Et nous pensons que la certification est un élément complètement intégré au programme.
Et le point le plus important, c'est que ce programme, vous en êtes les acteurs principaux. Quand on démarre une formation, généralement à HEC, on dit aux participants, vous êtes nos partenaires. Ce n'est pas un vain mot. Vous êtes effectivement des partenaires. Vous êtes au centre de nos préoccupations, c'est certain, mais ça vous donne un certain nombre de responsabilités. Vous êtes riche d'expérience. Dans la salle, ici, je ne sais pas combien d'années cumulées d'expérience peuvent être présentées. Vous êtes riche d'expérience et d'expertise, et vous êtes le capital de cette formation. Un prof, c'est important quand même, hein. Je ne voudrais pas oublier Pascal. Mais vraiment, notre ambition avec ce programme, c'est de construire une communauté active d'apprentissage, que vous puissiez échanger, vous retrouver sur des thématiques éventuellement qu'on n'a pas pensé couvrir au départ, mais qui simplement font sens par rapport à vos activités professionnelles. Voilà bien donc le vrai enjeu de ce programme. C'est vraiment un partenariat, et je me faisais la réflexion qu'en préparant les badges, on n'avait même pas indiqué qui était HEC, qui était participant, qui était First Finance. C'était vraisemblablement un acte manqué pour marquer donc cette communauté d'apprentissage. Et puis il y a un mot dont on parlait avec monsieur avant la conférence. Vous savez, quand même, il faut qu'il y ait quand même une part de plaisir dans tout ça. Oui. Notre vœu le plus cher, c'est que vous preniez votre pied pendant les six mois qui viennent, et que vous preniez plaisir en fait à cette formation, parce que sans plaisir, il n'y a pas d'apprentissage. Alors le curriculum, pour entrer dans les choses un petit peu plus concrètes. Donc ce sont trois cours, comme je le disais, hein, qui commencent par l'analyse financière. Donc porter un diagnostic sur la situation financière de l'entreprise, qui se poursuit avec le thème de l'évaluation financière, qu'on a à peine abordé à l'instant, et donc ce sera un cours sur les différentes méthodes d'évaluation financière, les différents points compliqués qu'elles recèlent, la meilleure manière de les aborder, dans quelle situation. Et ensuite, les choix d'investissement et de financement, et là on est plutôt dans la maîtrise des outils de décision et de recommandation de choix d'investissement et de financement. C'est un curriculum qu'on a bâti, évidemment, avec Pascal. En termes de timing, ça, la plateforme est ouverte. Vendredi, c'est vraiment le démarrage, donc le 30 janvier. Et le premier cours va nous amener jusqu'au 29 mars, puis jusqu'au 17 mai, puis jusqu'au 5 juillet. Alors, le premier cours, en fait, là, vous n'avez pas vos agendas Google, mais si vous me dites, il y a un petit décalage, je ne suis pas sûre que le premier ait la même longueur que les cours 2 et 3. En effet, on va vous donner un petit peu de temps pour démarrer. Et le cours, notre premier cours, en fait, au lieu d'être un cours qui est bâti sur un modèle de 6 semaines, va durer 8 semaines. Avec donc en fin de programme, qui clôture ce dispositif pédagogique, l'examen ICCF, qui est conçu comme un examen de synthèse, que vous aurez la possibilité de passer dans un centre Pearson View. Et des centres Pearson View, il y en a un petit peu partout, en France et dans le monde, parce que je sais qu'on a des participants qui ne sont pas forcément basés en France. Et là encore, flexibilité, puisque vous pourrez passer cet examen jusqu'au 30 septembre. On se pose la question, savoir si on donne un peu plus de délai ou pas. Ben, on se dit non, il faut quand même qu'on tienne le programme. Voilà. Alors, comment tout ça va se mettre en musique ? Ben, on espère qu'un
cercle vertueux va se mettre en place, puisqu'à travers la plateforme, vous allez avoir accès à des matériels pédagogiques, des vidéos, des supports, des textbooks, des lectures qui viennent en complément éventuellement du fil. Des exercices d'application, des quiz, des études de cas de synthèse, comme je le disais, font partie intégrante du programme pour assurer la progression. On aura des rendez-vous synchrones, comme ce soir, ou sous la forme de classe virtuelle, très régulièrement. Et puis un accompagnement et un échange continu. Je vois que Pascal n'hésite d'ailleurs pas à partager son adresse email pendant tout le programme, notamment à travers les forums. Et l'examen de synthèse clôture cet ensemble. En termes pratiques, à partir de vendredi, donc, on va avoir un calendrier qui se présente de la manière suivante. Les quatre ou six premières semaines du programme sont vraiment dédiées à l'étude des matériaux pédagogiques, à la discussion de ces matériaux pédagogiques. Et donc tous les vendredis, mise à disposition de nouvelles ressources. Lorsque des cas, des exercices d'application sont proposés, généralement vous aurez à les soumettre le dimanche soir de la semaine suivante. Pourquoi ces deadlines un petit peu hebdomadaires? Pour qu'on ait vraiment une progression et que dans les classes virtuelles, on puisse avancer avec Pascal. Et ces classes virtuelles, donc, justement, classes virtuelles ou live, principalement le lundi, en fin d'après-midi, début de soirée. Les deux dernières semaines sont plus consacrées aux études de cas de synthèse du cours. Donc, il y en aura trois cours. Trois études de cas de synthèse, parfois prévoyant une correction, la correction par correction par les. Donc on vous mettra contribution dans la mise en place de ces études de cas. Et puis le certificat à nouveau qui va clôturer le cycle des trois cours entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Voilà. Donc sur le certificat d'ailleurs, quand les choses sérieuses commencent, je passe la parole à Eric. Merci Karine. Merci. Bonsoir, Eric Chardoyer, président de First Finance. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, très heureux de constater que vous êtes très nombreux, je crois que vous êtes une centaine, et très heureux aussi de constater qu'il y a déjà 250 inscrits. Et il y a une vingtaine d'inscrits qui arrivent par jour. Donc ce programme commence très très bien. Et c'est grâce à vous. Et effectivement, on va faire de très belles choses ensemble. Comme l'a dit Karine, on compte sur vous pour être les acteurs de ce programme. Je vais donc vous parler plus précisément du certificat, de l'examen final. Alors, comme l'a dit Karine, First Finance est une société au départ de formation présentielle, formation avec animateur. Depuis 20 ans, on a formé un grand nombre de personnes sur tous les sujets de la finance, toujours avec d'ailleurs deux drivers. Le premier, c'est un degré d'exigence très élevé. Et le deuxième, c'est le fait de toujours fournir une formation très opérationnelle, très axé sur les exercices, les études de cas, les mises en situation, donc de délivrer vraiment les meilleures pratiques en finance. Alors, on a également une composante digitale très importante aujourd'hui, l'aventure a commencé en 99, elle s'est accélérée en 2010 avec la création donc de quatre certifications, l'AMF, on n'est pas les seuls sur l'AMF, mais on est le principal certificateur AMF, l'ICCF bien sûr, qui nous intéresse aujourd'hui, mais également le CMF sur les marchés financiers, Capital Market Foundations, et CMO, Capital Market Operations, pour la partie post-marché. Donc, intéressons-nous donc à l'ICCF. Je crois qu'on rassemble vraiment l'excellence académique et les meilleures pratiques en finance, et ça, c'est
essentiellement dû évidemment à son auteur Pascal, puisque Pascal est également l'auteur de ce certificat. Et là, on a pu bénéficier de la triple expertise de Pascal, donc professeur HEC, praticien reconnu au sein de la profession corporate finance et co-auteur du Vernimen. Donc en fait, Pascal a rédigé un textbook qui fait à peu près 400 pages, auquel vous aurez accès en fait dans le cadre donc, de ce parcours. Le deuxième élément, c'est que vous aurez à disposition un certain nombre de modules e-learning, je vais y revenir. Et troisièmement, des questions, aussi bien des questions d'entraînement que des questions d'examen, évidemment, puisque cet examen est passé dans un centre physique, les centres de Pearson View. Ces centres sont présents dans plus de 160 pays. Donc il n'y a aucun problème, évidemment, qu'on soit en France, mais également à l'étranger, pour passer cet examen. Alors, cet examen porte sur ces éléments-là, donc on va les passer rapidement, un diagnostic financier, outils de base de la finance, principaux titres émis par l'entreprise, structure financière, gestion financière. On voit bien que c'est le programme, évidemment, du cours, qui va durer 5 mois. Il y a en gros 15 à 20% du contenu de l'ICCF qui n'est pas couvert par le MOOC. C'est la raison pour laquelle, sur la plateforme, on mettra à votre disposition un certain nombre de modules e-learning avec du son que Pascal a enregistré qui permettront de réviser ces parties-là. Donc tout ça étant très bien encadré, donc il n'y aura pas de confusion pour vous possible pour savoir si la partie du programme est couverte ou non. J'ai fait une erreur, voilà. Ces sessions e-learning, on vient d'en parler. L'examen blanc, c'est effectivement un certain nombre de questions qui vous seront présentées plutôt en fin de parcours, bien sûr, lorsque vous aurez acquis les connaissances après les trois cours animés par Pascal. Et puis, donc, vous aurez cet examen final de 120 questions sous forme de QCM. Avec, comme on le disait tout à l'heure, un certain laps de temps pour passer l'examen, du 7 juillet au 30 septembre. C'est le temps qu'il faut pour pouvoir s'organiser tranquillement et passer cet examen dans les meilleures conditions. Les centres Pearson, j'en ai parlé, vous avez donc l'adresse qui vous permet, l'adresse email qui vous permet de trouver le centre. Et il y aura une remise des certificats ICCF à HEC Paris dans les locaux d'HEC Paris sur le campus, donc en fin de parcours. Voilà donc les conditions d'obtention de certificats. Bon, c'était défini conjointement et là on a effectivement l'exigence HEC qui a joué et on a donc décidé de définir ensemble ces règles qui sont les suivantes, donc qui portent tout d'abord sur les quiz. Donc comme on vous l'a dit, il y a des QCM à la fin de chaque cours, il faudra avoir répondu à tous ces QCM. Vous pouvez d'ailleurs les rejouer plusieurs fois, il n'y a aucun problème, évidemment. Il faut une note minimale moyenne, une note moyenne, pardon, minimale de 10 sur 20 à chaque étude de cas, donc aux trois études de cas, et avoir obtenu une note minimale de 500 sur 800. C'est évidemment atteignable, surtout avec la qualité du cours que vous aurez, mais ce n'est pas si facile que ça. Comme vous savez, tout ce qui a de la valeur se mérite, il faudra quand même travailler un petit peu. Et donc la note finale sera composée pour 30% des notes obtenues aux études de cas, chacune comptant pour un tiers de la note, et pour 70% de la note obtenue à l'examen final. Donc on voit qu'il y a prépondérance de l'examen final, mais les études de cas sont quand même très importantes. Par contre, les QCM ne rentrent pas dans les QCM, il faut simplement y avoir répondu. Vous aurez un beau diplôme, qui sera peut-être même encore plus beau que celui-là, certificat remis en fin de parcours.
Bon, ça, on va peut-être le présenter après la démo ou on peut en parler maintenant. Je te laisse peut-être la parole. Donc, voilà. Bien, bonsoir. Je suis Fabrice de Michel. J'ai eu le privilège d'être en contact avec un grand nombre d'entre vous depuis le début novembre ou plus récemment. Et avec vos paramètres de connexion, vous êtes un certain nombre à avoir bien voulu répondre au questionnaire qui est vraiment très rapide, donc on le fera circuler pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Ce qui nous a permis de dégager le profil de l'apprenant moyen et en tout cas de mieux vous connaître. Essentiellement des professionnels. Je vois une personne très jeune là-bas au dernier rang. Il y a quelques étudiants, mais qui souhaitent un peu compléter sur des études d'ingénieur ou autre. Mais sinon, on a affaire à des professionnels qui sont d'ailleurs dans la finance en grande majorité, qui sont très diplômés à Bac plus 5, qui sont en France en grande majorité. Et qui sont des hommes. Alors on a essayé d'alerter les dames sur les réseaux sociaux et ce soir c'est pas mal, c'est un petit peu mieux. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et on reviendra sur ces profils. Enfin je pense que c'était sympathique de se connaître un petit peu comme ça, en tout cas en typologie. Et j'en profite pour dire que nous avons ouvert en fait un premier fil de discussion sur la plateforme, sur le forum, où vous êtes invités à vous présenter. Ça n'a aucun caractère obligatoire, évidemment. Mais puisqu'on va être amené à échanger pendant les 5 mois qui viennent, eh bien, ça commence peut-être par dire qui nous sommes et pourquoi, quelles sont les motivations pour suivre cette formation, etc. etc. Voilà pour la typologie et les présentations. C'est à moi. Alors je vais prendre maintenant 2-3 minutes pour vous présenter 3 pages sur la plateforme en fait, puisque effectivement elle est ouverte, comme l'a dit Karine. C'est celui-ci, voilà. C'est bon. Donc le principe est vraiment d'essayer d'être le plus proactif possible en fait dans le processus d'apprentissage. Alors, et de mêler les activités. Donc l'idée n'est pas d'avoir une plateforme où vous avez une zone avec des ressources descendantes que vous allez consommer et puis peut-être la semaine d'après aller échanger avec les autres participants ou avec le professeur, mais vraiment d'essayer de mêler. Donc vous irez dans l'onglet contenu du cours pour retrouver sa progression. Et vous avez ici à gauche les différentes semaines ou parties. Donc si j'ouvre celle-ci, vous voyez, donc la navigation est assez intuitive. Semaine numéro 2, et là vous aurez le programme de la semaine numéro 2 qui se déploie. Et vous avez en moyenne 5 chapitres qui correspondent à 5 vidéos par semaine. Alors parfois il y en aura plus parce que la vidéo est un tout petit peu longue, alors on la présentera peut-être en 2 parties. Mais l'idée c'est que c'est pas mal d'y aller une fois par jour et de passer 10-20 minutes sur le cours. Sur chaque journée, donc, vous allez trouver... Excusez-moi, j'ai... Je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Donc je vais prendre l'exemple du point mort ici. Vous allez trouver différentes activités. Donc comme je le disais, la vidéo. Et vous avez cette barre de navigation en haut, vidéo. Et puis ici, des stylos qui vous indiquent des activités. De toute façon, la structure sera toujours la même. Vous avez d'abord la vidéo avec... En dessous de la vidéo, vous aurez éventuellement un verbatim ou un petit résumé, les idées clés de cette partie de l'enseignement à retenir, et également un pointage vers le textbook que vous retrouverez à ce niveau-là. Et de la vidéo, vous pouvez passer à l'activité suivante. Vous trouverez ici des petits exercices très courts pour vérifier simplement la bonne compréhension
et vous voyez que ces exercices sont accompagnés éventuellement d'explications et les résultats sont donnés. Donc là, on n'est pas du tout dans la notation ou autre, mais vraiment dans la réflexion. Et puis, une fois que vous avez fait ça, bien, vous pouvez passer encore à l'étape suivante, qui est l'échange. L'échange donc avec, comme je le disais, les autres apprenants et Pascal. Et donc, chaque fois que ce sera opportun, on ouvrira un fil de discussion à la suite des vidéos. Alors, sur ce point particulier, si vous souhaitez ouvrir un fil de discussion, vous nous demandez, et c'est nous qui l'ouvrirons. En fait, on a cette règle pour éviter que ça parte dans tous les sens et pour en fait modérer le forum de façon la plus efficace. Ça, c'est l'expérience des MOOC qui est mise ici en œuvre. J'avais posé cette question tout à l'heure et j'en terminerai par là. Le forum, alors les fils de discussion, vous les retrouverez aussi ici sous le chapitre discussion, forum. Comme je le disais, la présentation est ici. Et alors j'avais tout à l'heure, simplement pour illustrer mes propos, ouvert un fil où je posais cette question, quelle est la différence entre le point mort opérationnel et le point mort financier. Et en fait, l'un de vous a déjà répondu. Alors je remercie beaucoup Majid, parce qu'en plus sa réponse est absolument définitive et il a tué le fil de discussion. Mais je ne crois pas qu'il soit dans la salle. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle motivation, puisque la question était posée et une demi-heure plus tard, la réponse était là. Donc voilà, qui démontre en tout cas d'un fort appétit pour rentrer dans cette formation. Voilà, je ne vous en dirai pas plus ce soir. Je vous présente Aude, qui sera à moi pour vous accompagner, répondre à vos questions. On fera passer, vous poserez les questions sur une adresse qu'on fera circuler. Et puis, si vous en avez tout de suite, eh bien, je suis à votre disposition. Et moi, je circule, si vous avez des questions. Merci. Bonsoir. Je n'ai pas encore essayé, mais est-ce que c'est disponible sur tablette, à la fois les vidéos, les QCM, etc. Effectivement, je vais dire un petit mot à ce sujet. Vous faites bien de poser la question. Toutes les ressources sont téléchargeables. Donc, vous n'êtes pas obligé, condition de planifier un petit peu, d'être connecté à Internet pour travailler. Vous pourrez tout descendre, aussi bien les textes que les vidéos. Bon, les exercices, il faut être connecté. Et ensuite, effectivement, ce n'est pas une appli. Mais le site est en responsive design, donc ça veut dire que vous pouvez tout à fait travailler sur tablette, ça passe très bien. Et on doit d'ailleurs cette solution à un groupe d'enseignement IONIS qui travaille sur la technologie comme nous, OpenEdX, et qui a fait des progrès considérables pour nous permettre de travailler sur tablette. Même sur l'iPhone, ça fonctionne. Bon, alors Pascal est tout petit sur l'iPhone, mais ça marche. Si je ne sais pas si online, il y a une dernière question, Luc. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être faire un mot de conclusion. J'aurais presque envie de... Il y a une question, pardon, je n'ai pas vu. Une question pratique. Est-ce que l'ensemble des cours, de l'ensemble des modules sera tout le temps accessible, hors peut-être les quiz qui devaient être mis à une certaine date? Oui. Les ressources sont livrées selon une certaine cadence. Après le démarrage qui est un petit peu lent pour permettre aux retardataires de nous rejoindre ou à ceux qui souhaiteraient de réviser les notions de base de comptabilité, le rythme est d'une release par semaine.
Mais tous les cours passés restent en accès et resteront en accès jusqu'au 30 septembre ou même après. Il ne faut pas que je tire trop fort. Bon. Il y a peut-être aussi une autre possibilité de poser les questions. Ça va être de vous inviter de nous rejoindre pour prendre tous ensemble un verre. J'ai presque envie de demander à Eric de nous rejoindre pour ce mot de conclusion, puisque Karine le disait tout à l'heure, ce soir, donc nous réalisons un petit peu de façon très concrète cette collaboration et on partagera ce moment aussi avec vous. J'espère que vous serez nombreux à suivre cette nouvelle expérience pédagogique, cette nouvelle façon d'enseigner et le fruit de cette collaboration, encore une fois, entre First Finance et HEC Executive Education. Et je pense que nous vivons vraiment un moment, ce qu'on appelle l'innovation disruptive, qui est dans notre métier, c'est-à-dire la façon d'enseigner en Executive Education va aussi évoluer. Et donc, on espère sincèrement que cette première expérience, vous serez nombreux et elle sera concluante pour vous. Merci beaucoup de vous être déplacés ici ce soir. Merci d'avoir suivi toute la masterclass en ligne. Vous étiez très nombreux en masterclass. Et je vais demander Pascal Quéry, notre professeur, de nous rejoindre également pour compléter vraiment ce tableau. Et nous sommes vraiment très heureux et très, très enthousiastes. Et je pense vraiment aussi, nous regardons ce lancement vendredi avec beaucoup de passion. Donc merci beaucoup, merci à vous tous et encore une fois, bienvenue à HEC. Et je vous invite à prendre un verre juste à côté, tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Oui. Vous n'avez pas entendu ce que vient de dire Eric.